Pourquoi certaines parties de LoL semblent-elles déséquilibrées? Lorsque vous vous retrouvez dans une partie déséquilibrée, nous attribuons généralement cela à trois critères principaux. L'effet boule de neige, les différentes variables qui entrent en jeu et ou votre perception de la partie. En termes de design, nous voulons que LoL soit un jeu où vous pouvez capitaliser sur votre avantage pour l'emporter. La moindre petite victoire que vous pouvez faire fructifier peut aboutir à un avantage en début de partie et en détermine parfois l'issue. Un Panthéon ayant réalisé un doublé en début de partie peut sembler inarrêtable sans un combat d'équipe miraculeux. Mais les objets et les décisions stratégiques peuvent toujours faire basculer une partie et vous éviter la défaite. Dans les systèmes actuels, la plupart des équipes ont un taux de victoire attendu de 50 plus 1%. D'après les données que nous avons, nous pensons que les parties sont équilibrées. Cela dit, nous ne pouvons pas nous fier uniquement à des données brutes. Que se passe-t-il si les joueurs jouent un rôle ou un champion auquel ils ne sont pas habitués? Que se passe-t-il si les différents joueurs d'une partie normale ou groupe arrangé ont un MMR très différent? Ou si un joueur n'a pas joué assez de parties pour obtenir une cote précise? Coucou les Smurfs! En plus, des facteurs personnels que le système de matchmaking ne peut pas connaître entrent en jeu. Le manque de sommeil, l'abus de bière, etc. En fonction de la manière dont vous jouez, c'est peut-être aussi simplement votre perception de la situation. Se faire écraser est une sensation bien plus désagréable que celle de dominer son adversaire. Malheureusement, les mauvais moments sont parfois plus marquants que les bons. Il se peut aussi que vous fassiez juste une mauvaise partie. Bien que nous sachions pertinemment que nos systèmes de matchmaking ne sont pas parfaits et que vous, ou votre adversaire, gagnerez parfois en 20 minutes, nous faisons tout notre possible pour éviter les parties déséquilibrées, et ce, avant même qu'elles ne commencent. Pour nous, il s'agit d'une condition sine qua non pour que LoL reste compétitif.